Voilà. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode 28 de Enter the Gungeon Road to 100%. Alors, dans le dernier épisode, on s'est quitté sur le repère du rat. Le début du repère du rat, du coup, hein, du coup, j'ai dit beaucoup trop de. Donc, bon, bah, on va continuer. J'ai noté tous les coordonnées sur un papier, hein, les flèches. Comme ça, j'oublie pas. Parce que la dernière fois, bah, c'est à cause de ça que je me suis foiré. Donc, sans plus tarder, nous allons tomber dans le trou du rat. Le trou. Alors, en premier, c'est droite. Je vais barrer la flèche. Voilà. Toi, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Mais. Voilà. Maintenant, gauche. Des dégoupillés. Ça même pas la peine de se faire oxyre par mon arme. Gauche une deuxième fois. Ok, un Shelleton. Deux Shelleton. Deux vierges de fer, pas de fond. Non, 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 c'est pas droite, c'est bas. C'est bas et après c'est droite. Oh, des bonus! Donne-moi de la vie, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi de la putain de vie. Des munitions et de la vie! De la vie! C'est tout? Du coup, là, je vais sur la droite. Et ça marche, ok, ça marche. J'ai les munitions pleines. C'est parti, on y va. On va le fumer, enfin j'espère. On a que 5 vies, on a droit à 5 coups. Et c'est tout. C'est parti. J'enregistre. Ok. C'est parti. Grandmark 3. Dora rusé. Allez viens. Tu me fais pas peur. Catin. Ah. Deux secondes. Allez, c'est parti, on continue. Et... Ah, ça fait peur. Ah, j'ai peur. Aïe, putain. Déjà un coup.
Boum. Ok. Ok. Maintenant c'est le mec. Maintenant c'est le Metal Gear. C'est le Metal Gear Rex. C'est parti. Il y a plein de poussière sur mon écran, c'est dégueulasse. Pfff. Oh, il fait peur. Oh, je l'aime pas. Je l'aime pas trop. Non. 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 Ouh là là, non. Aïe. Bah oui. Ouais, je suis... T'aspires les munitions. Non. Non. Oh, putain. Non, non, je l'ai presque. Je l'ai presque. Je refuse. Je refuse. Ok, on lui a pété le truc à missile. Non. Arrêtez. Arrêtez. On se fait du mal. Et là, c'est la phase de punch-out. Et je sais pas du tout comment je fais. Je sais pas du tout comment je vais faire. Au secours. Ok. Bah, allez, viens. Esquiver à gauche. R, LS. Bah. Paré. Se laisser. Direct du gauche. Super. Ok. Je vais tellement me faire reculer. Non. Non. Non mais. Pourquoi je peux plus parer? Non mais pourquoi je peux plus parer? Mais laisse-moi parer. Laisse-moi. Non mais laisse-moi aller sur le côté. Pourquoi il veut pas? C'est ma manette, elle bug. Au secours. Au secours. Ma manette. Ma manette. Oui mais parce que ma manette elle glisse tout le temps en haut. Et... Oh là là. Putain. Et là il y a les quatre coffres du bonhomme là. Et... C'est quoi ici? Et du coup là non là t'as l'étage et... Oh là là. Il faut deux clés pour le putain de serpent. Non. Putain. Oh mais cette manette quoi, mais cette putain de manette, je la aime et je la déteste, je la déteste. Non non, j'aurais dû jouer au clavier. J'aurais pu activer le mode clavier. Non. Non. Oh non.
Ah putain! Ah bah oui! Sans pièces, waouh. Bon, bon colis. Ah oui, un truc que j'avais oublié de faire. Je vais prendre la condamnée parce que voilà. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va parler aux sœurs Manuel parce que en fait, après avoir buté Blockner, on est censé aller lui parler. Ok, 12 ans, non, tu vas faire, je n'oublierai jamais. Je reste obsédé, c'est juste que ça détend, au moins je suis vengé, tout ce qui compte. Je suis cette fois-ci. Moi je sais, moi ceci. Voilà, du coup, normalement, là je vais débloquer voilà, l'insigne et le bouclier du traître. Je peux pas parler mon esprit, ça m'en va doucement, ça, en vengeance. On avance de l'audace. Oh non, mais c'est rare, j'aurais pu mettre le clavier. Et du coup là, ils sont tous les deux là. Regardez, ils sont au bon. Je suis hanté par un esthétique désir d'action. C'est pour ça que je pourrais Et toi? Maintenant que j'étais enlevé, je pourrais pardonner un peu. Bientôt? Ouais, ça fait si longtemps, fait la peine de changer. T'as toujours eu le temps de parler. Bon, bah, ça fait combien de temps que j'enregistre là? 13 minutes. J'ai du temps pour une autre. Notre essai, allez, sur un speedrun, on fait pas les étages supplémentaires chiant là. Moi, je veux juste débloquer l'arme alternative. C'est parti. Allez, alors, Baby Gucci Letton, balle empoisonnée serait bien, hein. Et ça, c'est bien. La façon dont il court. Let. Oh là là. Allez, bute-le. Oh, dommage. Allez, il a buté. Pas d'objet, évidemment. Comme toujours. Non. Le seum me coule dans les putains de veines. Bon. Tac, tac, tac.
Là. La clé. La salle de la cheminée. Je suis même pas sûr si je vais le faire parce que. Parce que. Je peux demander sa clé. Au secours, au secours. Au secours, au secours. Non, le bidon, le bidon d'eau, le bidon d'eau, le bidon d'eau, les deux. Ah, mais que je suis mauvais. Mais que je suis mauvais. Mais que je suis mais que je suis mauvais. Oh, mais qu'il est mauvais. Mais qu'il est mauvais. Mais qu'il est mauvais. Ah, t'es mauvais, Jack. T'es mauvais. Mauvais, Jack. Plus de ferraille, non, évidemment, pas de ferraille, diminue. Allez, donne. Ah. Voilà. Oh. Yeah. Yeah. Ok. Oh, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tac, tac. Tac. Bon, allez, on fait les oubliettes. Mais pour faire les oubliettes, il faut un bidon d'eau. Et le bidon d'eau, j'en ai pas. Il y en a un ici. Il y en a un là. Non. C'est la mer noire. Non. C'est la mer noire. Non. Un seul. Oh, il y en a un là. Je suis sauvé. Non, non, on est pas ici. Voilà. Non, non, on va continuer. Ça rentre. Ça rentre, ça rentre, ça rentre pas. Ça rentre, allez. Là, il suffit de faire ça. Tac. Ça. Tac. Ça. Et bam. Quoi? Ça lui fait mal? D'accord. Oh, j'ai oublié.
Oh, j'ai oublié. Sauce-moi. Alors, brocoli. Et ça. Valkyrie liquide, je crois. Ou c'est c'est juste, ça ralentit les bases ennemies. Et le brocoli, ça fait quoi précisément? Brocoli. Brocoli. Alors, 10% de dégâts. 10% de négationné. De enlever les dégâts. Et movement speed. Et liquid. Valkyrie. 20%. Où y a ça? Cette arme que j'ai jamais eu. Le punching glove. Gun de bot. Pistol Rondo, évidemment. Pistol Rondo, c'est une référence à Punch Out. Tire une sorte de gun box fabriqué par le rarisé pour tricher lors des nombreux pugilats qu'il déclenchait. Ce gant de boxe a été modifié pour faire mourir vers ses ennemis. Quoi? Ok, bon, on va le tester. Hein. On va le tester. Poche! Poche! Ah! C'est tout? Ah non, regardez, j'ai une étoile à côté. Ça fait quoi en fait? Parce qu'il y a une étoile à côté, on dirait une sorte de coup spécial. Glove, punching glove. Punching glove. Comment ça s'appelle? Oui, mais comment je le débloque? Comment je le débloque? Unlock. Bon, vous savez quoi? Oh là là, mais putain. Advance, Gungeon et Dragon. Boxing Glove. Aussi simple que ça. Alors. Body Charge Without Restore. Burst of Fire Regular Punch. Attendez. Limited Range. Boxing Glove. Chance to Stun. Gain the Store. Up to Restore. Oh. Donc à chaque fois qu'on tue un ennemi, on gagne une étoile, jusqu'à 3 étoiles au maximum. Et quand on charge, ça fait très mal. Quand on charge, putain, comment ça fait mal. Putain. Je vais tellement la perdre cette partie. Vingt minutes. Je pense qu'on va remettre ça demain. Je pense qu'on peut. Thank you.
Je pense qu'on peut s'arrêter pour aujourd'hui.